dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les antennes d'Eurosport pour suivre ensemble la première manche de la Coupe de France PMU, le Grand Prix de la Marseillaise. Alors comme chaque année, il y a un gros plateau et pour vous le prouver, on a Romain Bardet. Romain, bonjour. Bonjour. Alors je suppose qu'on est très motivé aujourd'hui pour la reprise. Oui, c'est une très belle course, un beau soleil. Voilà, on est tous un petit peu excités de raccrocher un dossard après plus de 4 mois de trêve. Donc voilà, il y a encore un beau plateau et on risque de se faire plaisir sur les routes marseillaises. Alors c'est une course un peu spéciale pour vous, puisqu'en 2012 c'était votre première année et première course chez les professionnels et vous aviez failli remporter la victoire. C'est vrai que j'ai toujours un excellent feeling avec cette course, que ce soit individuellement ou collectivement. C'était ma première course pro en 2012, ça remonte déjà et puis ouais, ça a failli marcher. Donc voilà, je ne désespère pas de pouvoir la remporter à moyen terme. Alors finalement, le Grand Prix de la Marseillaise, c'est une course difficile mais qui arrive souvent au sprint. Oui, c'est vrai, on a vu aussi les mêmes routes empruntées sur les routes du Tour quand on a eu un sprint massif. C'est vrai que la Gineste est une bosse difficile, mais avec le vent qui joue un rôle important, des regroupements sont favorisés. Donc c'est vrai que malheureusement, pour les attaquants comme moi, ça arrive souvent au sprint. Et les objectifs de début de saison? Les objectifs, voilà, d'ici un mois maintenant, on va rattaquer vraiment les choses sérieuses avec Paris-Nice et le Tour de Catalogne. Merci Romain, on va vous laisser aller vous préparer. Et puis nous, ce que je vous propose, c'est d'aller voir les autres favoris. Effectivement, pour la première course de la saison 2015 sur le sol français, ils sont nombreux à avoir répondu présent. Aux côtés de Romain Bardet, pour la formation AG2R La Mondiale, il faudra garder un œil sur Alexis Goujard, brillant la saison dernière sur les routes de la Coupe de France, avec deux manches remportées, la classique Loire-Atlantique et les boucles de l'Aune. En cas de sprint, AG2R s'appuiera sur Maxime Daniel. Des formations françaises sont présentes, mais des équipes étrangères également. C'est le cas de l'équipe Lotto Soudal, emmenée par le vainqueur d'étape et maillot jaune sur le dernier Tour de France, Tony Galopin. Fin prêt pour le début de cette saison 2015. Bon, l'hiver a été bon, je pense. J'ai pu profiter des stages avec mon équipe et voilà, faire des bonnes bases de travail pour le début de saison, et je suis content qu'on arrive à la première course pour pouvoir voir où sont les jambes. C'est la première course, donc on est toujours un peu dans l'inconnu, tout le monde, personne ne sait exactement son état de forme, donc on verra, il y a plusieurs scénarios de course imaginables, donc voilà, on verra, on a des coureurs pour aller dans l'échappée, d'autres pour aller avec les costauds dans le final, d'autres pour le sprint, donc voilà, on est un peu paré à tous les cas de figure. C'est vrai que les conditions climatiques favorisent une arrivée au sprint, avec le vent de face dans le final, donc voilà, c'est peut-être la carte maîtresse aujourd'hui dans l'équipe, le sprinter, avec Chris Boekmans. Mais voilà, la course avant est ouverte, donc on verra ça vraiment dans la dernière montée, s'il faut privilégier l'arrivée au sprint. Autre formation à surveiller sur ce Grand Prix d'ouverture, la Marseillaise, celle du vainqueur sortant de la Coupe de France PMU, Julien Simon. Si le Breton n'est pas là, l'équipe Cofidis pourra s'appuyer sur le vainqueur de la précédente édition de la Marseillaise, Kenneth Van Bilsen, alors sous les couleurs de la formation Top Sport Vlaanderen. Il sera évidemment parmi les favoris en cas d'arrivée au sprint aujourd'hui. Chez Europcar également, on aligne une équipe compétitive avec Cyril Gauthier et Pierre Roland qui effectue lui aussi sa reprise sur les routes du Bouches-du-Rhône avec plusieurs objectifs. C'est la rentrée, donc bon, c'est de retrouver un peu les sensations du peloton, les sensations de la course, et voilà, essayer de terminer pas trop loin du vainqueur. Et après, nous, on a Cyril qui va très bien dans l'équipe et on compte sur lui. Après, moi personnellement, on va voir un petit peu voilà, comment ça se passe, voir un peu ce qui aura amélioré dans les prochaines semaines pour être bien d'ici quelques temps. Plus c'est court et plus c'est nerveux, plus ça roule vite et plus c'est dur. Donc on s'attend à beaucoup de rythme, beaucoup d'intensité. Donc voilà, le Grand Prix de la Marseillaise pour une première compétition, c'est très dur. Le parcours n'est pas évident. En plus, il y a pas mal de vent, donc ça durcit l'épreuve. Et bon, c'est une belle course pour commencer. Présente également les formations Bretagne Séché Environnement avec Romain Feillu, Benoît Jarrier ou Jonathan Hiver.
À domicile, l'équipe Marseille 13 KTM aura à cœur de briller et de montrer ses couleurs à l'image de Rémi Di Gregorio. C'est la reprise également pour les équipes Aubert 93 et Roubaix Lille Métropole. On se souvient que l'an dernier, Baptiste Plancart, deuxième ici, avait été le premier leader de la Coupe de France du côté des nouveaux. L'équipe cycliste de l'Armée de Terre fait son apparition puisqu'elle est passée pro cet été. Nous sommes à quelques minutes du départ. On se retrouve avec Thibaut Pinot et Arthur Vichot, deux coéquipiers mais surtout deux potes. Alors Thibaut, clairement, on va pas se mentir, la FDJ va être vraiment surveillée aujourd'hui. Ouais, on va être surveillé, c'est sûr que c'est une course, c'est la rentrée, donc on a envie de bien faire, on a envie de se rassurer, donc on va faire une course de mouvement et puis on va essayer de faire un beau résultat. Ouais. Alors c'est une course qui pourrait correspondre quand même à ton pote Arthur, non? Ouais, c'est une course un peu sur mesure pour lui, donc on va essayer d'un peu de durcir pour essayer d'arriver à un bon petit groupe, pas un sprint massif, mais un petit groupe d'une dizaine, c'est très bien. Alors Arthur, dans la bouche de beaucoup de coureurs, vous êtes le favori aujourd'hui? Oui, le favori, bah c'est vrai que c'est une course qui me correspond et puis le début de saison ça se passe plutôt pas mal pour moi. Après j'ai toujours été en forme ici mais j'ai jamais gagné, donc pourquoi pas aujourd'hui. Après comme l'a dit Thibaut, et c'est une course qui est pas facile à maîtriser parce que ça arrive quand même souvent à un gros groupe au sprint et pour ça il faudra faire une course de mouvement. Alors l'année dernière vous avez été l'auteur d'une très belle saison, malheureusement qui a été un peu ponctuée par la malchance. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il faut la gagner ou pas celle-là? Ah, moi franchement la superstition c'est vraiment pas mon truc, si je peux la gagner je vais la gagner avec grand plaisir et tout ce qui est pris est bon à prendre, surtout quand comme l'année dernière j'ai eu des problèmes, voilà, au final ça fait du bien une victoire quand même. Bon merci les garçons, je vous laisse filer parce que le départ c'est maintenant. Et oui, ça y est, c'est reparti pour une saison. Midi 40, c'est l'heure pour les 143 coureurs présents de s'élancer depuis le Conseil Général des Bouches-du-Rhône. Un temps clément pour ce premier rendez-vous de la saison avec une dizaine de degrés, mais du soleil parfait pour une reprise. 139 km 700 sont au programme de l'épreuve avec trois grands prix de la montagne, le sommet du Petit Galibier, l'Espigoulier, Juan-les-Bastides. Nous répertorier le col de la Gineste pourrait également animer la course en fin de parcours. Tout le monde a le sourire pour cette reprise, les directeurs sportifs également, c'est la rentrée des classes pour tout le monde à Marseille. Après 9 km de défilé, le départ réel est donné. Ça y est, c'est parti pour un peu moins de 140 km. Alors que nous réservera cette année ce Grand Prix la Marseillaise qui se conclut traditionnellement par un sprint? Aujourd'hui, une chose est sûre, si échappée il y a, elle pourrait peiner à aller au bout en raison notamment du vent fort qui souffle sur les Bouches-du-Rhône. 143 participants au départ de ce Grand Prix et aucun non partant. Les équipes françaises sont présentes dans le peloton mais aussi les formations étrangères que l'on a moins l'habitude de voir évoluer. Alors certes, Wallonie-Bruxelles et leurs maillots jaunes et rouges sont des habitués de la Coupe de France, tout comme les Espagnols de la Cara Rural ou encore les Belges de Top Sport Vlaanderen, ainsi que ceux de Wanty Group Gobert. A noter également la présence cette année d'Anne Post, la formation de Sean Kelly, les Polonais du CCC Sprandi et l'équipe colombienne Columbia. 8 s'était imposé en 2013 dans les rues marseillaises, sous les couleurs de la Pomme Marseille à l'époque. Il évolue désormais avec Véran Classique et sa journée débute mal. Une crevaison dans le départ fictif. Justin Jules n'est pas attendu. Il se retrouve seul à l'arrière de la course. Ça roule très vite dès le départ et tout de suite les premières offensives de la saison. Ils sont deux à vouloir se mettre en évidence. Clément Saint-Martin et les couleurs locales du team Marseille 13 KTM et Pierre-Roger Latour pour la formation AG2R La Mondiale. Pierre-Roger Latour qui dispute sa première saison chez les pros. Ancien pommier lui aussi. Thomas Vaubourzex passe à l'attaque dans les termes. Les attaques sont timides et pas assez organisées en ce début de course pour voir un vrai groupe sortir. Il y en a partout dans les premiers kilomètres. Le peloton est étiré, mais pour l'instant, personne ne parvient à creuser un écart conséquent. Clément Saint-Martin sur des routes qu'il connaît bien, ainsi que Pierre-Roger Latour, sont toujours aux avant-postes, mais derrière, ça revient avec Vaubourzex, mais suivi de très très près par le peloton. Après 11 km de course, c'est un habitué des raids en solitaire qui tente sa chance. Alexis Goujard, le coureur de la formation AG2R La Mondiale, vainqueur de la classique Loire-Atlantique et des boucles de l'Aune l'an dernier, accélère. Mais il ne parvient pas non plus à distancer un peloton attentif jusqu'ici. Quelques kilomètres plus loin, à hauteur de Fuveau, les premières difficultés apparaissent. Trois hommes parviennent enfin à sortir. Julien Duval pour l'équipe cycliste de l'Armée de Terre, lui qui évoluait l'an dernier sous le maillot de Roubaix-Lille Métropole. Connor June, l'Irlandais de la formation Anne Post Chain Reaction, et Frédéric Veukelen. Cette échappée semble être la bonne, le peloton ne réagit pas et laisse filer le trio. «
Le plus expérimenté, c'est bien lui, Frédéric Veukelen, le coureur de la formation Wanty Groupe Gobert. Il compte, rappelons-le, 2 participations au Giro et a remporté à travers les Flandres en 2006. Derrière notre trio de tête, 2 hommes sont parvenus à s'extirper du peloton, Steven Tronet et Thomas Vobozex, très en vue depuis le départ. Steven Tronet, le coureur de la formation Uber 93, prend tout de suite son relais pour ne pas déséquilibrer l'échappée. Il ne veut pas qu'on se regarde dans ce groupe. L'écart avec le peloton n'est que d'une minute après 25 km de course. Cette fois, ça semble être la bonne. Ces 5-là ne devraient plus voir le peloton revenir. Pour l'instant, du moins, ils sont nombreux à s'être fait piéger. On voit pas de coureur FDJ, pas d'AG2R la mondiale, ni de Cofidis, ni d'Europcar ou même de Bretagne Sèche Environnement dans cette échappée. Ces 5-là ont pris tout le monde de court. Connor Dune, Julien Duval, Frédéric Veukelen, Steven Tronet et Thomas Vobozek sont donc les 5 premiers échappés de cette Coupe de France 2015. Ça grimpe déjà dans ce Grand Prix la Marseillaise, mais rien de comparable aux difficultés qui attendent les coureurs dans les prochains kilomètres, avec notamment le Petit Galibier, premier Grand Prix de la montagne qui se situera après 60 km de course. Mais loin derrière eux, à 3 minutes, un homme est seul avec une mince avance sur le peloton. Il s'agit d'Ewin McCarthy de la formation Anpost Chain Reaction. Étonnant de le voir tenter de rejoindre la tête alors qu'un de ses coéquipiers est à l'avant, Connor Dune. Les hommes de la formation de Sean Kelly ont envie de montrer le maillot aujourd'hui, mais ça paraît mission impossible pour l'Irlandais qui va avoir du mal à revenir. Après un petit peu plus de 50 km de course, le peloton pointe désormais à 8 minutes des 5 hommes de tête. Ce sont les coureurs d'Emmanuel Hubert qui emmènent. L'équipe Bretagne Sèche Environnement qui participera cet été à son deuxième Tour de France puisqu'elle a été invitée, on le rappelle, par l'organisation. Le peloton s'attaque à la première difficulté répertoriée du jour, le Petit Galibier. La température ne dépasse pas les 5 degrés au sommet à 550 mètres d'altitude. L'écart avec l'échappée diminue. Les 5 hommes de tête perdent 1 minute pendant cette ascension. C'est Steven Tronet, le premier à franchir le Petit Galibier devant Frédéric Veukelen et Thomas Vobourzex. Après Bretagne Sèche Environnement, ce sont les formations Lotto Soudal et AG2R La Mondiale avec notamment Alexis Goujard qui emmène désormais le peloton. L'équipe Cofidis est là également, les Belges de Wallonie-Bruxelles également à droite de l'écran. Si l'écart a frôlé les 10 minutes, il se réduit considérablement. Il pointe désormais à 7 minutes. À l'avant, les 5 hommes poursuivent leur traversée des Bouches-du-Rhône. L'entente est parfaite, même si la présence du vent depuis le début du parcours va réduire les chances de ces hommes-là. Aujourd'hui, je savais que ça allait être compliqué. Il n'y avait pas de gros sprinteurs annoncés au départ. Beaucoup de gens qui pouvaient aller vite, mais dans un petit comité. Donc je savais que ça allait être compliqué pour sortir. Après, bon, on est sorti assez vite à 5. Après, on est monté jusqu'à 9 minutes. Bon, à un moment, j'y ai cru un peu, mais voilà, quand j'ai vu les 40 derniers kilomètres, je savais qu'on allait avoir vent de face. Je savais que ça allait être compliqué. Surtout qu'aucune grosse équipe était représentée devant. Ça allait être très dur. Le peloton s'attaque à la deuxième difficulté répertoriée du jour, l'Espigoulier. Un peloton étiré, mais qui continue de reprendre du temps sur les échappées. L'équipe AG2R La Mondiale est aux avant-postes. En cas d'arrivée au sprint aujourd'hui dans les rues de Marseille, les Terres et Ciel joueront la carte Maxime Daniel. Retour sur notre groupe de tête qui voit le peloton revenir très fort derrière. Les 5 hommes qui composent l'échappée du jour ne comptent plus qu'une minute 36 d'avance. Ce sera évidemment compliqué pour eux d'aller au bout. Donc le principal enjeu aujourd'hui, c'est le classement de meilleurs grimpeurs. Steven Tronet de la formation cycliste Uber 93 l'a très bien compris. Il a engrangé le maximum de points lors du premier Grand Prix de la montagne, le Petit Galibier. Le Calaisien a l'air déjà bien en jambes, lui qui avait différé sa reprise de l'entraînement de quelques semaines pour ne pas connaître de coup de mou en deuxième partie de saison. Au sommet de l'Espigoulier, c'est à nouveau lui qui va prendre le dessus. Frédéric Veukelen anticipe, il accélère très tôt. Mais Steven Tronet est bien le plus rapide, il le veut, ce classement de la montagne. Il dépose Veukelen sur la ligne. Veukelen qui avait pourtant pris une belle avance au départ. Tronet passe en tête les 2 premiers Grands Prix de la montagne. L'objectif d'une échappée, c'est déjà de montrer le maillot et de faire les classements intermédiaires avant tout. Donc il n'y avait que le classement de la montagne aujourd'hui. Donc j'ai fait mon maximum pour passer en tête en haut des grimpeurs. Et puis voilà, ça a fonctionné. Puis l'Espigoulier, on a tous roulé sans s'économiser. Après, le peloton a décidé de notre sort, quoi. C'est tout bon pour le coureur Uber 93 qui s'était illustré l'an dernier en remportant notamment Paris 3. En 2013, il avait brillé sur le Tour de Vendée en prenant la 3e place du sprint derrière Boigny et Dumoulin. C'est un peloton très étiré que l'on retrouve emmené par Michael Chérel dans la descente de l'Espigoulier. L'écart diminue, il n'est plus que d'une petite minute.
On ne prend aucun risque dans cette descente très technique. Les hommes du peloton qui peuvent même apercevoir les 5 hommes de tête plus bas, mais à quelques hectomètres seulement. Là, ils sont tous passés le peloton, il y a encore du peloton qui arrive. Là, il y a... Alors, on y va, non ? À l'arrière du peloton, c'est un coureur de la formation Bretagne Séché Environnement que l'on retrouve, Jean-Marc Bidot. Les coureurs de l'équipe Top Sport Vlaanderen sont là aussi. C'est eux d'ailleurs qui avaient gagné ici l'an dernier avec Kenneth Van Bilsen. Tout comme son compatriote Van Steyen, il a rejoint l'équipe Cofidis cet hiver. On se réorganise dans le peloton maintenant que la descente est terminée. Ce n'est pas le moment de se regarder car devant on continue de rouler. Les 5 hommes vont tenter le tout pour le tout. Et dans le peloton, on ne veut pas se faire piéger une nouvelle fois. C'est la dernière difficulté répertoriée pour le groupe de tête, désormais composé de 4 hommes. Dans l'ascension de Julien Lesbastides, Julien Duval lâche du terrain et se retrouve largué par ses compagnons d'échappée. Steven Tronet a vu cela, il accélère et continue sur un rythme élevé pour mettre en difficulté le reste du groupe et surtout pour décrocher le dernier Grand Prix de la montagne. Il passe la ligne pour la 3e fois dans cette course devant Frédéric Vekelen. Derrière, on s'organise, la chasse continue, toutes les formations sont représentées, Bretagne Séché Environnement, l'Auto-Soudal également, on est à 30 km de l'arrivée. Une arrivée au sprint qui se dessine, reste à savoir combien ils seront, est-ce qu'un groupe se dégagera. On retrouve Steven Tronet, Frédéric Vekelen, Thomas Vaubourzek et Connor June à l'avant de la course. L'entente est bonne, mais à 4 et face à un vent puissant, c'est de plus en plus difficile pour le Quatuor qui s'apprête à franchir la dernière difficulté de la journée. Le col de la Ginest, non répertorié au classement de la montagne, mais toujours redoutable et décisif dans ce Grand Prix, la Marseillaise. L'écart continue de fondre, alors tous les moyens sont bons pour grappiller des secondes. Le Quatuor de tête ne fait pas le tour du rond-point, mais coupe à gauche. Pas certain que cela suffise, mais c'est toujours ça de prix pour les 4 hommes. Ça y est, nous sommes dans le col de la Gineste et ça devient de plus en plus dur pour une échappée qui voit le peloton revenir très 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 fort. Derrière, le premier à lâcher dans l'ascension, c'est Thomas Vaubourzek, lui qui avait été un des premiers attaquants du jour. Le coureur Véran Classique est à la peine sur les routes marseillaises qu'il connaît bien puisqu'il évoluait avec la Pomme Marseille auparavant. Steven Tronet lui relance et accélère quand il voit que derrière lui ça craque. Frédéric Vekelen s'accroche et reste dans la roue de Tronet. L'Irlandais Connor June reste au contact également, mais derrière c'est fini pour Vaubourzek qui voit le peloton revenir. Pour le quatuor restant, ce sera très compliqué et la jonction est imminente. Après avoir compté près de 10 minutes d'avance, les 4 hommes qui composaient l'échappée sont repris. Ils auront tenu jusqu'à un petit peu moins de 10 km de la ligne. C'est au sprint que devrait se disputer cette première course de la saison, à moins qu'un coureur ne parvienne à sortir, mais c'est peu probable. Deux FDJ emmènent un peloton groupé, avec notamment Anthony Roux. Pas de temps de souffler, on vient à peine d'assister au regroupement. Déjà, un homme attaque. Il s'agit de Carlos Quintero. Le coureur de la formation Colombia a déjà quelques kilomètres dans les jambes, puisqu'il rentre du Tour de San Luis en Argentine, qui se déroulait du 19 au 25 janvier. L'an dernier, il était parvenu à accrocher un top 10 sur la 4e étape de l'Étoile de Bessèges, qu'il dispute à nouveau cette année, tout comme certains coureurs présents à Marseille aujourd'hui. Il avait brillé en 2012 également sur les 4 jours de Dunkerque avec le maillot de meilleur grimpeur. La formation Colombia que l'on voit régulièrement sur les routes de la Coupe de France chaque année. Ça bouge derrière lui avec un coureur de la Lotto-Soudal qui tente de sortir en contre, Sean Deby. Le champion d'Europe Espoir sur route en 2013 a prolongé l'aventure avec la formation belge à la fin de la saison dernière. David et Rebellin et Clément Saint-Martin sortent à leur tour à 43 ans. Rebellin a encore les jambes. Il sort avec le coureur de la formation Marseille 13 KTM, très actif depuis le départ, mais le peloton n'est pas loin derrière. Ils reviennent sur Carlos Quintero. Ils sont donc 4 désormais à l'avant de la course. Quintero, Clément Saint-Martin pour Marseille 13 KTM, Sean Deby pour la Lotto-Soudal et Davide Rebellin, le coureur de la formation CCC Sprandi. Le plus expérimenté dans ce groupe, c'est évidemment Rebellin avec ses victoires sur Liège-Bastogne-Liège en 2004, triple vainqueur de la Flèche Wallonne, la Classique Saint-Sébastien en 1997, Paris-Nice en 2008, Tirreno-Adriatico en 2001. Il compte également une victoire d'étape sur le Giro. Le peloton ne s'affole pas derrière, il reste encore quelques kilomètres pour revenir. Toutes les formations se placent aux avant-postes. On voit les maillots de la Cara Rural, ceux de la Lotto-Soudal pour contrôler, ou Antigroup Gobert à gauche et l'Armée de Terre à droite. Rebellin, Saint-Martin, Deby et Quintero ont désormais Marseille à portée de vue. L'entrée dans la capitale phocéenne est proche, il ne reste plus que de la descente et 2 km de plat avant la ligne d'arrivée boulevard Michelet à côté du stade Vélodrome. Ça ressort derrière le quatuor de tête. 4 hommes sont parvenus à s'extirper du peloton. Le coureur de la formation Robcar, Cyril Gauthier, accompagné d'Amek Churuka de la formation Cara Rural, habitué aux routes de la Coupe de France.
Rémi Di Gregorio est là également sur un parcours qu'il connaît bien puisque ce sont ses routes d'entraînement. Enfin, Björn Lökkemans sous les couleurs du Team Wanty Group Gobert. Ça y est, on y est, les coureurs entrent sur le boulevard Michelet. Le groupe de 8 va-t-il tenir? Ça paraît compliqué parce que derrière, ça revient très fort. Toutes les formations travaillent pour mettre les sprinteurs dans les meilleures dispositions. L'entente est parfaite à l'avant ici. Pour la première course de la saison, le peloton se faisait piéger par ce groupe. Ils ont été 4 à sortir, puis 4 autres sous l'impulsion de Cyril Gauthier. Attention, Sean Deby s'en va seul, il passe sur la gauche de la route. Il va tenter sa chance en solitaire, le coureur de la Lotto Soudal, mais derrière lui, on réagit immédiatement. Le peloton n'est qu'à quelques mètres des 8 hommes, ça va être compliqué, très très compliqué même. On approche de la flamme rouge, le dernier kilomètre, et le peloton est revenu sur la tête de course. Ce sera donc un sprint massif pour cette première course de la saison. On est à 300 mètres de la ligne maintenant. Qui va disputer ce sprint? Oh, la chute d'un coureur de la formation cycliste de l'armée de terre. Il se retrouve au sol. Il avait tenté de prendre le couloir de gauche, mais ça ne passe pas. C'est parti pour le sprint avec Van Bilsen, bien placé pour le team Cofidis. Le vainqueur sortant, il y a un coureur de la Lotto Soudal présent également. C'est Pim Ligtart, Antoine Demoitier, le vainqueur du Tour du Finistère l'année dernière. Et là également, il y a un coureur de l'équipe Marseille 13 KTM. Mais non, c'est Pim Ligtart, le plus fort. Le coureur de la formation Lotto Soudal qui s'impose à Marseille pour la première course de la saison. Et on a vu Kenneth Van Bilsen dans ce final, on a cru qu'il allait réaliser le doublé, mais c'est bien Pim Ligtart qui s'impose. Le champion des Pays-Bas en 2011 lors de sa première année chez les professionnels succède à Van Bilsen au palmarès du prestigieux Grand Prix, la Marseillaise. Voici avec le vainqueur de cette première Coupe de France PMU, Pim Ligtart. Alors Pim, ça a été la course parfaite pour la Lotto Soudal. Ouais, on a toujours quelques devant. Dans la finale, c'est Sean Deby qui était là pour nous. Et comme ça, on peut rester tranquille derrière. Et moi, je peux faire mon sprint et voilà. Ça a été un sprint assez houleux. On a vu plusieurs chutes dans le final. Ouais, en fait, j'étais bien placé devant. Donc, ouais, j'ai attendu les chutes, mais j'ai jamais vu. Et alors, avec le vent en face, il faut attendre longtemps. Et puis, j'ai pris mon moment. Et bon. À un moment, on a cru justement que les équipes ont eu du mal à se mettre en place et que l'échappée allait au bout. Vous y avez cru aussi? Ouais, moi aussi. Pour quelques instants, je croyais ouais, il va aller. Mais bon, heureusement, il n'y est pas. Et moi, je peux faire mon sprint. Pim Ligtart s'impose dans les rues de Marseille. Le coureur de la Lotto Soudal, emmené au sprint par Tony Galopin, notamment, est venu coiffer tout le monde, dont le vainqueur sortant, Kenneth Van Bilsen, qui se contente de la deuxième place. C'est Antoine Demoitié qui complète ce podium. Les coureurs de la Lotto Soudal qui réalisent une belle course. Sean Deby avait tenté de sortir seul dans le final avant d'être repris. C'est finalement Ligtart qui s'impose au sprint, au classement. Baptiste Plancard, premier leader de la Coupe de France l'année dernière, et quatrième. Jonathan Hiver, premier français, et cinquième. Van Bilsen, lui, est le premier leader de la Coupe de France PMU. Oh yeah, am I happy for the first race? Yeah, it was a good result for the team. My team was good for the bunch sprint and yeah. L'an dernier, il s'était imposé ici, mais n'évoluant pas dans une équipe française, il n'entrait pas dans le classement général de la Coupe de France. C'est Baptiste Plancard qui avait terminé deuxième et pris la tête du général. Van Bilsen, premier leader devant Baptiste Plancard, Jonathan Hiver, cinquième du sprint et troisième de ce classement devant Maxime Renaud et le local Benjamin Giraud. Au classement par équipe, ce sont les nordistes de Roubaix-Lille Métropole qui prennent la tête grâce aux 4e et 11e places de Baptiste Plancard et Maxime Vantôme. Chez Europcar, journée compliquée même si Cyril Gauthier a tenté de s'échapper sur la fin pour aller chercher la victoire en solitaire. Il faut que l'échappée est partie. Il y avait beaucoup de vent, derrière ça a eu du mal à mettre en route, un peu Bretagne ont été les premiers. Voilà, après on savait qu'avant le col de la Gineste, on n'était plus très loin. Il y a un autre groupe qui est sorti. Moi j'ai voulu attendre le haut parce qu'avec le vent de face c'était vraiment difficile. Et pour ma part après j'ai essayé au kilomètre, mais c'était vraiment difficile. Oui, parce qu'au final il vous a vraiment pas manqué grand chose. 150 mètres quoi, mais bon, ce sera pour la prochaine fois. Nouvelle dans le peloton professionnel, l'équipe cycliste de l'armée de terre a fait honneur à ses couleurs pour sa première course. Julien Duval, très actif à l'avant de cette Marseillaise, se réjouit du comportement de son équipe. Ouais, c'est vrai que c'est la première pour l'équipe de l'armée de terre aujourd'hui, donc le but c'était de présenter les couleurs. Voilà, on l'a fait, mais après on voulait essayer de jouer quelque chose dans le final. Bon, on en a un qui a chuté apparemment à 200 mètres de la ligne, donc ça a été un peu compliqué, mais bon, c'est les aléas de la course. La prochaine, ça sera le Atlantique Cholet, donc voilà, on va essayer d'être présent sur ces courses-là.
Du côté des grimpeurs, c'est un Français qui a brillé, Steven Tronet, coureur de la formation Aubert 93, a passé les trois grands prix de la montagne en tête et c'est lui qui est donc le meilleur grimpeur de ce grand prix, la Marseillaise. Et voilà, le grand prix de la Marseillaise est terminé. Cette première manche de la Coupe de France vient de se terminer. Un dernier mot avec vous, Roland, président de l'organisation. Comment expliquez-vous ce succès de ce grand prix de la Marseillaise où on y trouve toujours un gros plateau ? Ben oui, j'ai toujours dit que c'était la rentrée des classes pour le peloton et ça se vérifie. Les gens ils sont heureux, les coureurs sont heureux de se retrouver après l'intersaison et on voit il y a une fraternité extraordinaire, il y a un microclimat sur cette course et c'est pour ça que je ne voudrais jamais qu'elle change au niveau de la date, même si parfois le temps n'est pas toujours clément avec nous, mais enfin on ne s'en plaint pas. Eh bien merci beaucoup, le rendez-vous est pris pour l'année prochaine. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?